Bonjour, je m'appelle Carla Dorqueno, j'ai 24 ans, je suis actuellement étudiante à l'UQAM en communication politique internationale. Je suis arrivée au Québec et plus précisément à Montréal en octobre 2021. Et pendant mon parcours en tant qu'immigrante à Montréal, j'ai subi de la discrimination lorsque j'ai essayé de chercher un logement ici. J'ai vraiment, où j'ai eu beaucoup d'embûches cet été et pendant toute la période à partir d'avril 2022, où j'ai vraiment tenté de trouver un logement en urgence. Et j'ai fait plus de 40 visites d'appartements et majoritairement j'ai été refusée soit par ma couleur de peau, soit par ma nationalité, soit parce que j'étais une femme. Donc j'avais de la discrimination sexiste, raciste et aussi on faisait de l'agisme. Une anecdote avec un propriétaire qui a totalement refusé de m'attribuer un bail avec ma colocataire, bah, alors qu'elle était au chômage, que mon dossier était bon, mais que lui considérait que je ne méritais pas d'être au Canada, que je n'avais pas assez de papiers, que je n'étais pas forcément française. Il voulait absolument voir mon visa.